اليوم أحد أعلام الصحافة المغربية الأستاذ حبيب برانا، ولا أحتاج أن أقدم إليكم الأستاذ حبيب برانا، فهو أشهر من نار على علم، ومع ذلك فإن المناسبة شرط، ولذلك سأقول بعض الكلمات التي ربما تزيدكم معرفة به. الأستاذ حبيب برانا من الراعي الأول للصحافيين المغاربة، اشتغل في الصحافة المغربية كما اشتغل في الصحافة الناطقة بالفرنسية، وبصماته واضحة على مجلة جون أفريك بالخصوص، وعلى بعض المجلات المغربية التي كانت تنطق بالفرنسية مثل مجلة أنفاس ومجلة لمليف وغيرهما. كما أنه في إطار دوره الإعلامي والإشعاري الثقافي أيضا يقدم برنامج دائع الصوت في القناة الثانية، هو برنامج ميزون كوخ. الأستاذ حميد برانا بالإضافة إلى هذا الكعب الطويل في مجال الصحافة هو مناضل سياسي، عرف المنفى وعرف المحاكمات، ثم بعد ذلك عندما بدأت الأجواء تصفو عاد إلى المغرب لكي يساهم في الثقافة والإعلام المغربي المعاصر. الأستاذ حبيب برانا بهذه الشخصية المزدوجة يمكن أن نعتبره بهذا المعنى صحفيا مناضلا، فهو لم يفرق أبدا بين عمله الصحفي وعمله النضالي، واعتبرهما وجهين لعملة واحدة، ولذلك وربما من أجل ذلك أيضا اختار موضوعا لهذه المحاضرة موضوع الصحافة والديمقراطية، لا بريس لا ديمقراطية. الأستاذ حميد برانا بالإضافة إلى هذا كله، وربما بسبب هذا كله، عاشر وصاحب مجموعة من الشخصيات المغربية التي لعبت دورا رائدا وحاسما في تاريخ المغرب المعاصر، ولذلك فإنه من هذه الناحية يعتبر رائدا بالمعنى الكامل للكلمة. الأستاذ برانا اختار أن يلقي محاضرته بالفرنسية، il a choisi de s'exprimer en français. Mais le débat sera en arabe et en français. Donc, أرحب بالأستاذ حميد برانا، ونعتز بحضوره مرة أخرى معنا أيما اعتزاز، وهذه ربما فرصة لا تعوض أن نستمع اليوم وأن نجلس إلى الأستاذ حميد برانا بتجربته، فهو في الواقع تاريخ يمشي على رجليه. ونشكر إدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في شخص السيد عميد الكلية التي سهلت علينا مهمة استضافته ووفرت لنا الوسائل التي وضعتها رهن إشارتنا من أجل إنجاح هذه المحاضرة. مرة أخرى أشكركم على حضوركم، وأكرر الشكر الجزيل للأستاذ حميد برانا على حضوره وإسهامه في هذه الندوة، وأعطي الكلمة. Merci beaucoup. Cette parole est mal. Merci de m'accueillir. C'est la première fois que je mets les pieds dans une faculté depuis 1962. J'avais pas mis les pieds dans les facultés marocaines.
J'ai enseigné ces dernières années dans une école de management et donc la faculté, j'ignorais complètement. Donc je suis heureux, ému. Je vais vous dire un mot sur mes rapports avec la presse et le militantisme pour mettre au clair la différence entre les deux. J'ai fait du journalisme militant. Quand j'étais à l'UNEM, dans les années 60, je dirigeais Tandis le Maribé. On avait fait trois numéros et on faisait de la vente militante en faisant vendre le journal par les jeunes femmes parce qu'elles rapportaient beaucoup d'argent. Les gens étaient étonnés que des jeunes filles étudiantes vendent le journal. Elles nous donnaient beaucoup d'argent et on finançait le journal par ses ventes. C'est la seule fois, la première fois que je faisais du journalisme depuis l'école. À l'école aussi, je faisais un peu de journalisme au moment de propédeutique, après le baccalauréat. Ensuite, je fais du journalisme à Paris. Quand j'étais condamné et exilé en France, je me suis installé en France en 1966 parce que la vie en Algérie devenait difficile et dangereuse parce que Hassan II s'est réconcilié avec Benguel après la chute de Benalla. Et je n'excluais pas que nos frères algériens puissent nous livrer. Et le seul endroit où on pouvait être tranquille, c'est la France, pour des raisons paradoxales. Après l'affaire Mbarka, les Français n'oseraient pas faire de bêtises. Et donc je me suis installé à Paris, sans avoir de papier. Mais pour pouvoir continuer à faire de la politique, le journalisme était un alibi. Alors je fais du journalisme par alibi, une couverture. Et j'enseignais à la faculté en France, et je faisais du journalisme encore une fois comme alibi. Et puis je me suis pris au jeu. J'ai beaucoup aimé ce métier, et de journaliste militant, je suis devenu militant du journalisme. Et quand je m'étais éloigné de la politique active pour des raisons X, je n'ai fait que du journalisme. Ça n'a rien à voir avec le militantisme, sauf l'abnégation. Quand on fait du journalisme, il faut être capable de s'y adonner complètement. Mais c'est différent de la politique, parce que la politique, on a des objectifs, on a des points de vue, et alors que le journalisme, on n'a pas de point de vue, on recherche la vérité quelle qu'elle soit. Et on la publie même si elle est mauvaise. Donc cette brève introduction pour nuancer les mots, et je vais continuer en parlant de la démocratie et de la presse à d'abord donner un sens aux mots. C'est quoi la démocratie? Vous êtes trop loin pour répondre, mais je vous donne une première réponse. La démocratie, c'est tout simplement la seule forme de gouvernement qui existe à travers l'histoire de l'humanité, en dehors des autres, et qui soit défendable. C'est la fameuse phrase de Churchill, la démocratie, c'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. C'est-à-dire, une fois qu'on a exclu tous les systèmes, le seul système qui reste, malgré tous ses défauts, c'est la démocratie. Mais c'est quoi la démocratie? La chose la plus importante s'agissant de la démocratie, c'est le suffrage universel. La démocratie, c'est d'abord le suffrage universel. Un homme, une voix. Une femme, une voix. C'est-à-dire, toutes les voix sont égales. Ça vous paraît naturel, c'est pas naturel. Ça vous paraît normal, c'est pas normal. C'est un scandale. Parce que c'est pas vrai. La voix d'un homme ne vaut pas la voix d'un autre. Darmagnoun, le fameux Alam Bakhmou, qui était mon oncle, un jour m'avait dit cette phrase terrible. On parlait démocratie, on parlait suffrage universel. Il était très choqué par le suffrage universel. Il m'a dit cette phrase, il ne supportait pas que sa voix et la voix d'une prostituée soient équivalentes. Il avait raison. Mais on n'a pas le choix. La démocratie, l'égalité des voix
n'est pas une donnée, c'est un objectif, c'est une utopie. On postule qu'un homme est égal à une voix, que toutes les voix se valent, bien que ce soit scandaleux dans la réalité, parce que ça devient une vertu après. C'est parce qu'on pose qu'un homme est égal, que les voix de tous les hommes sont égales, qu'on peut aspirer à rendre toutes les voix égales. Est-ce que vous me suivez? Un homme, une voix, ce n'est pas une donnée. C'est un principe qu'on pose qui est utopique. C'est quelque chose vers laquelle on doit aspirer. On y aspire comment? Par la généralisation de l'enseignement, par les soins généralisés et libres, etc., etc. C'est ça la démocratie. Mais on postule d'abord l'égalité, qui est choquante, qui est scandaleuse, comme disait Zarmagnon. Vous me suivez? C'est quoi le pouvoir? J'oppose démocratie et pouvoir. Le pouvoir, par définition, est antinomique de la démocratie. Le pouvoir, par définition, est antinomique du journalisme. Le journalisme, c'est quoi le pouvoir? Je vais d'abord définir le pouvoir, puis je vais définir la démocratie. Le pouvoir, c'est le secret. Il n'y a de pouvoir que lorsqu'il y a un secret. Le pouvoir d'un colonel est supérieur à celui d'un général, d'un capitaine, parce qu'il a des choses qu'il connaît lui, que le capitaine ne connaît pas. Donc tout pouvoir est un secret quelque part. Et ce secret, il faudrait le garder. C'est exactement le contraire de la presse. La presse, par définition, c'est l'information. Bon, l'information, c'est chercher les secrets. Vous voyez l'antinomie. C'est contradictoire. La presse est contradictoire des pouvoirs. Vous me suivez? Le premier ministre, je vous raconte une anecdote, le premier ministre suédois, Olof Palme, qui a été assassiné, m'a raconté un jour cette histoire. Lui était premier ministre de gauche, social-démocrate, et la presse, en Suède, on appelle ça la presse bourgeoise, c'est la presse de droite. Tous les jours, cette presse publiait des choses fausses et injustes, disait-il. C'est-à-dire au réveil, en prenant son petit déjeuner, il prenait des journaux et il disait des choses injustes et fausses. Et ça le choquait. Et puis, avec le temps, il s'est rendu compte que c'est pas mal. Lorsqu'on est au pouvoir, il vaut mieux recevoir quelques gifles dès le matin, même si c'est injuste, c'est équilibre. Il raconte ça à Fidel Castro. Fidel Castro lui dit, moi je ne supporterai pas un jour d'avoir des journaux qui disent des choses mal de moi. C'est la différence entre un démocrate et un non-démocrate. Fidel Castro n'est pas un démocrate, aujourd'hui il est un démocrate. La même histoire, on la retrouve avec Bourguiba. Bourguiba faisait un journal avec Bachir Ben Ahmed qui va créer Jeune Afrique. Et Ben Ahmed va créer le journal qui s'appelait L'Action. Et il dit à Bourguiba, qu'est-ce que mon rôle là-dedans? Et puis, Ben Ahmed lui dit, Monsieur le Président, vous avez un article comme tout le monde. Il lui dit, je ne lirai pas les articles avant, il dit non. Vous direz, les articles seront publiés. Je ne peux pas supporter ça. Et Jeune Afrique a dû déménager. Du jour au lendemain. En une semaine, ils sont allés à Rome, où ils ont installé le journal, sans s'arrêter. Il s'appelait L'Action est devenue Jeune Afrique. Parce que Bourguiba ne voulait plus. La mentalité de Bourguiba est très représentative de n'importe quel pouvoir. Tous les pouvoirs fonctionnent comme ça. L'exception, c'est Olof Palme, qui trouve ça normal. Mais dans les milieux du pouvoir, ce n'est pas courant. Ce qui est courant, c'est le refus. Enfin,
France, il y a un journal, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est particulier, qui existe depuis quelques années seulement, qui n'est pas un journal de papier, un journal sur Internet, s'appelle Mediapart. Mediapart est très intéressant, il est créé par Edwy Plenel, un ancien du Monde. C'est un journal qui est financé par les utilisateurs et qui écrit des choses en toute liberté. C'est Mediapart qui a révélé une série de scandales en France, en particulier l'affaire Cahuzac. Vous avez suivi. En deux mots, c'est un ministre français du budget chargé de lutter contre la fraude et qui était lui-même un fraudeur. Il avait un compte en Suisse. Il a dit, quand ça a été révélé, il a dit au président, il a dit devant le Parlement, les yeux dans les yeux, que c'était pas vrai, c'était vrai. Et la manière dont Mediapart a découvert ce scandale est très étonnante. Le scandale existait sur une fuite d'une communication de Cahuzac sur un autre téléphone. Il y a un téléphone qui a capté par erreur une communication de Cahuzac. Le téléphone appartenait à un homme de droite et ça remonte à 10 ans. C'est ça l'information initiale. Ils ont enquêté là-dessus, ils n'ont pas cédé, tout le monde a cru qu'ils étaient fous, ils avaient raison. Et ça illustre parfaitement le travail du journaliste. Le travail du journaliste commence d'abord par vérifier l'information qui est rare, qui n'est pas donnée par le pouvoir. C'est clair ? La première fois que j'ai vu Sir William Kerr, avant qu'il soit Premier ministre, c'était dans un colloque de presse, il dirigeait un journal, qui s'appelait le journal Tajdid. Il a pris la parole, le premier, il a dit deux choses très intéressantes. La première, il a dit que le pouvoir ne lui a jamais donné de publicité. La seule fois qu'il a eu la publicité de quelqu'un, je crois que c'est Victor, je ne sais pas quoi, pour tuer les insectes, et celui qui lui a donné cette publicité, son affaire a périclité et est obligé de retirer la publicité. Donc le pouvoir n'a jamais donné de publicité à ce journal. Il a dit, le même pouvoir n'a jamais donné d'information. Il est descendu de la tribune en rigolant comme d'habitude. J'ai pris la parole après lui et je l'ai remercié d'avoir abordé le sujet parce qu'il posait très bien le problème. Le problème, c'est que le pouvoir ne donne pas d'information. S'il savait ce que c'était que la presse, il saurait que le pouvoir ne donne jamais d'informations. Récemment, le directeur d'un journal marocain, dans un colloque, disait la même chose. Le pouvoir ne donne pas d'informations. Le pouvoir ne donne jamais d'informations. Ce que donne le pouvoir s'appelle la propagande. Le pouvoir ne raconte ce qui lui convient. L'information, on va la chercher. Un journaliste du Monde avait écrit un livre qui s'appelle « Le pouvoir, c'est le vol ». Il a raconté comment il avait volé l'information. Et vous comprenez pourquoi le pouvoir ne vole jamais d'information ? Parce qu'il n'est pas masochiste. Le secret est la nature même du pouvoir. Si le pouvoir divulgue l'information, il n'y a plus de pouvoir. Vous me suivez ? Est-ce que la liberté de presse existe au Maroc, à votre avis ? Oui. Laisse-moi en porter la réponse, elle est claire. Je vais vous choquer peut-être, mais le problème, ce n'est pas la liberté. Elle existe de manière relative. Moi, mon émission, j'ai fait 100 émissions, personne n'a jamais rien dit. La liberté, on peut la prendre. Mais c'est une autre affaire. Le problème au Maroc, ce n'est pas la liberté, c'est l'abus de la liberté. Ce qui est très choquant, ça passe inaperçu, c'est que nos confrères, très souvent, de manière innocente, cachée, presque naturelle, abusent de la liberté. Je vous donne quelques exemples anciens
exprès pour ne choquer personne. Le gouvernement d'alternance, Ahmed Youssoufi, il y avait un ministre. Ce ministre, le ministre des Finances, arrivé à son ministère, il découvre qu'il y avait une prime. Tout nouveau ministre avait droit à une prime. C'est une tradition française qui a été appliquée au Maroc. Les Français supposent que les gens qui touchent de l'argent au ministère des Finances, il vaut mieux leur donner beaucoup d'argent pour leur enlever la tentation de voler. Donc il y avait cette prime. Voilà, l'autre trouve la prime injustifiée, prend une décision tout de suite, un arrêté, et supprime la prime. Un journal marocain, très célèbre, très apprécié, écrit le contraire. Écrit que le ministre s'est adjugé une prime. Le contraire. Le ministre prend son téléphone, appelle le directeur de ce journal, et lui dit, hey, Malik, voilà la vérité. Et lui envoie par motard le décret, l'arrêté annulant la prime. Ça n'a jamais été publié. Et tout le monde a retenu la première information de guillemets fausse. Le même directeur de journal, très sympathique, un très bon journaliste, faisait un bon journal, écrivait une série de papiers très violent, contre Ahmed Youssoufi. Comme ce directeur de journal est un ami, je le rencontre, je lui dis, il est clébès. Pourquoi cet acharnement contre le Premier ministre? Je ne voyais pas la raison. Un copain de presse m'a dit, je lui donnais la raison. Je l'ai appelé à 8h30 au téléphone, sur son portable, il a refusé de me prendre. Il m'a dit, adressez-vous à mon attaché de presse. Il va le payer. Je cite, il va le payer. La campagne de presse contre Ahmed Youssoufi est faite par un jeune journaliste talentueux qui pense que c'est la meilleure façon d'exercer son métier. Et c'est passé inaperçu, personne n'est au courant. Quand je parle d'abus de la presse, je fais allusion à des choses comme ça. Un autre journaliste qui est très célèbre, il a fait de la tôle. Des raisons qui m'échappent complètement. Il publiait systématiquement mes articles dans Jeune Afrique, il les prenait, traduisait en arabe, très mal, je ne savais pas traduire, il mettait ma photo et j'ai devenu collaborateur de ce journal. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, sans rien signaler. Je le dis en blaguant au journal, François Soudan, et François me dit c'est pas normal, tu devrais réagir. Il réagit lui, il écrit 4 lignes. Rappelons les principes de la propriété de la presse, etc. Il a arrêté, il a déclenché une série d'articles d'insultes à moi. J'étais un collaborateur, c'est flatteur, il ne me payait pas, mais son collaborateur, c'est devenu un ennemi à abattre, qui m'insultait régulièrement au Maroc. Et c'est normal. Ce journaliste, directeur d'un journal qui a fait de la tôle, en sortant de tôle, il est allé voir Ahmed Youssoufi. Vous savez, moi, je n'ai jamais rencontré. Ahmed m'a raconté. Et Ahmed lui a dit quelque chose d'amusant. Il lui a dit, tu es le dernier journaliste qui a fait de la prison, moi je suis le premier. Ce qui est vrai. Le premier journaliste qui a fait de la prison au Maroc s'appelle Ahmed Youssoufi. Je vous raconte dans quelles conditions. C'était très après l'indépendance. Il a écrit un article. Alors écoutez bien. Il y avait cette phrase, c'est pour cette phrase qu'il est allé en prison. Il a écrit que le gouvernement, à l'époque Abdoulaye Ibrahim, le gouvernement doit être responsable
devant le peuple. Vous avez bien entendu, le gouvernement est responsable ou doit être responsable devant le peuple. Il a été arrêté et mis en prison. Sous Mohamed V, gouvernement de gauche, Abdoulaye Wahid. Pour l'anecdote, et pour vous montrer la mentalité, Mohamed V a posé la question à Abdoulaye Wahid. Il a posé cette question. Tu es responsable devant qui? Abdoulaye Wahid m'a répondu, Hamsidi, devant vous. Il s'est dégonflé. Abdelhamad Youssi a fait de la prison pour cette phrase. Il a de la suite dans les idées, puisqu'il n'a accepté d'être Premier ministre qu'après une réforme de la Constitution. Et dans la réforme de la Constitution, on a introduit la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Il était tu. Il a eu raison. Mais c'est pour vous dire, on vient de loin. Je ne sais pas si on a été loin, mais on vient de très loin. La responsabilité devant le peuple était quelque chose d'impensable, d'innommable, d'exclu. Dans quelles conditions la presse joue son rôle comme élément de la démocratie? Il n'y a pas de démocratie sans presse. Il n'y a pas de démocratie sans presse libre. Mais à condition que la presse respecte les valeurs de la presse. La première valeur de la presse est le professionnalisme. C'est quoi le professionnalisme? C'est la manière de traiter l'information. D'abord, rechercher l'information. Deuxièmement, vérifier l'information. C'est très difficile. Je vous ai donné l'exemple de Mediapart. Une vague écoute, par hasard, chez un opposant de droite, devient la preuve, à condition de découvrir et de chercher. La vérification est essentielle. La contextualisation, le contexte d'une information est essentiel. Tout ce travail n'est pas fait au Maroc. Il est rarement fait. Vous me suivez? L'information essentielle à condition qu'elle soit vraie. Un vrai journal, un journal qui se respecte, c'est un journal qui ne publie que la vérité. C'est pas facile. Et c'est pas le cas. Très souvent, on publie n'importe quoi. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais qui va très loin. Auquel je crois profondément. Le problème est inhérent à la presse. La presse est consubstantielle de l'imposture. Je vais le dire autrement, l'imposture est presque normale en matière de presse. Je vais développer. Dans tous les métiers, il y a l'imposture. Il y a des médecins imposteurs. Il y a des faux médecins, il y a des charlatans. Un médecin imposteur, il y a plusieurs manières de lutter contre. La première, les diplômes. La deuxième, la loi. La troisième, l'expérience. Il va tuer quelqu'un. Donc l'imposture chez un médecin est éliminée naturellement. Prenons l'architecte. Même raisonnement. Il y a des escrocs, la maison va tomber, à Casablanca on en sait quelque chose, parce qu'il y a un mauvais architecte ou un imposteur. La loi, etc.
Prenons le journalisme. Moi, journaliste, je prends mon stylo. J'écris n'importe quoi. J'écris ce qui me passe dans la tête. J'écris du mal d'un tel ou d'un tel. Comment l'empêcher? Tu lui dis, mais tu as écrit n'importe quoi. Il te répond, c'est mon opinion. Je suis libre. Vous n'y trouvez rien. C'est une opinion. Comment différencier l'opinion de la vérité? L'opinion, par définition, est subjective. Mais l'opinion, par définition, peut être n'importe quoi. Peut ne pas être une opinion. Peut être une calomnie. Peut être une saloperie. Etc. Vous suivez? L'imposture est inhérente. J'ai employé un mot très fort, consubstantiel, fait partie d'eux, du journalisme. Le journalisme n'est pas à l'abri de l'imposture. Au contraire, il est exposé à l'imposture. Au contraire, il peut vivre de l'imposture. Vous suivez? Ça va très loin. Et ça pose le problème de la presse au Maroc. Je vous donne un exemple. Vécu. Un journal qui est très vendu. Peut-être le plus vendu au Maroc. Un hebdomadaire. Qui existe depuis l'indépendance. Il a pris différents noms. Publié, c'était dans les années 90. Je vous raconte l'histoire. À Casablanca, un ami très cher qui est disparu, basé dans les mêmes racontes, un banquier, un grand banquier, le patron de la BCR, un très grand banquier, un personnage, un poète, passionné de littérature, de Proust en particulier. À Basile est un ami, je le rencontre un jour et il me pose une question. Il me dit, il y a une histoire curieuse, il parle d'un moment, il est venu chez lui, enquêter sur un dîner qui s'est produit chez les Halabi, à Anfa. Ou quoi d'autre? Il m'a dit, c'est des généraux algériens qui auraient dîné chez les Halabi, à Anfa. Il m'a dit, mais qui t'a dit ça? Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il avait d'autre? Il m'a dit, il y avait un journal en arabe, sous le bras. Il n'avait pas d'autre information. J'ai deviné, j'ai dit, je crois que j'ai compris. Je suis allé au kiosque, j'ai acheté le journal auquel je pensais. Effectivement, il y avait 10 livres. Mais écoutez bien, c'est les années, début des années 90. En Algérie, on cherchait un président. C'est avant la désignation de Bouteflika. Les principaux généraux algériens, il y en avait trois, Khaled Nassar, Al-Mari, et le troisième qui va être ambassadeur au Maroc. Général, j'ai oublié son nom. Trois généraux algériens, les plus importants. Ce journal dit que les trois généraux se sont réunis au cours d'un dîner à Casablanca chez le riche Tsari Al-Alami, chez le riche Al-Alami. Enfin, en présence du fils du Sopsri. Voilà. Que vient foutre les trois généraux algériens au Maroc? S'ils doivent se réunir, ah oui, et le but c'est de parler de l'avenir de l'Algérie. Complètement aberrant, complètement fou. N'importe quel esprit de bon sens jette ça à la poubelle. C'est impossible, c'est idiot. C'est publié noir sur blanc. Imran Hawa est en train de chercher le Alami. Avec Abdelaziz, on rigole. On a calculé combien de Alami a enfin. Il doit y en avoir une trentaine parmi ceux qu'on connaît. Donc Imran Hawa est bon. J'attends la suite. À l'époque, toute la presse internationale, en particulier française, parlait de la succession en Algérie. Un journal très sérieux, Libération. En France.
une journaliste très sérieuse, spécialiste de la gérie, José Carson. C'est une femme, malgré son nom. C'est une amie, je la connais bien. Elle publie un grand papier, deux pages, un long papier, et toute une colonne est consacrée à la réunion d'enfants. José Carson, spécialiste en libération, consacre une colonne à la réunion d'enfants. Je suis très surpris. J'attends la suite. Naturellement, j'achète le fameux journal, j'achète le numéro suivant. Le numéro suivant, à la une. On a Libération, photocopie. Et il y a un jeu de passe-passe, Libération de la source. Et il y a une couche, on a ajouté. Sur la réunion d'enfants. Vous suivez bien. Une histoire idiote, folle, reprise de manière curieuse par une grande journaliste, et l'auteur de la folie du départ la récupère à son nom pour éviter la responsabilité. C'est lui, c'est pas lui qui est responsable, c'est Libération. Ce qui est terrible, et très, très dur à comprendre, c'est que des gens sérieux y croient. Par exemple, un collègue algérien, Farid Aminet, très bon journaliste, un des jeunes d'Afrique, est persuadé que c'est vrai. Un moulet, c'est impossible. J'arrive pas à le convaincre. Sur Internet, il y a des papiers, des dizaines de papiers, sur la réunion d'emploi. Je prends mon stylo et je raconte la vérité. Deux pages, histoire d'une information fausse. Bon, je me suis fait des ennemis. C'est pas grave. Je découvre des années après, un jour au Maroc, un copain me dit, est-ce que tu lis tel journal? Et non, je ne lis pas, il me dit, il parle de toi. Il a fait un feuilleton. D'insultes, j'ai pas lu, qui m'était consacré. Il en était au numéro 37, j'ai pas lu. Donc voilà comment ça se passe. C'est ça le droit commun. C'est ça la réalité de départ. Vous me suivez ? Je passe sur un autre point pour parler de la connivence. Je vous ai dit au départ la frontière qu'il y a entre le pouvoir et la presse. Ce n'est pas la même maison. Il y a incompatibilité. Le pouvoir, c'est le secret. La presse, c'est l'information et la recherche du secret. Il n'y a pas de relation entre le pouvoir et la presse. Il y a cependant ce qu'on appelle en France l'occasion, la connivence. La connivence, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut fréquenter le pouvoir, est-ce qu'il faut fréquenter le pouvoir ou ne faut pas le fréquenter. Certains pensent qu'il faut le fréquenter, ils appellent ça la connivence. Je vais développer mieux. Il y a des journalistes. Par exemple, un journaliste de radio, Jean-Jacques Bourdin, qui pense qu'il ne faut jamais fréquenter le pouvoir. Il le rencontre, un homme politique, il ne le rencontre que devant le micro pour lui poser des questions très dures, très directes. Mais aller à un dîner, rencontrer un homme de pouvoir, ça se défend. Il y en a d'autres, de grande valeur, qui fréquentent le pouvoir et qui pensent qu'on ne peut pas faire du journalisme sans fréquenter le pouvoir, à condition de garder sa liberté. Mon expérience personnelle. Au Maroc,
de mon temps, c'est-à-dire que ça continue, on pensait beaucoup que Jeune Afrique a de bonnes informations parce que le pouvoir lui donne l'information. C'est pas vrai. C'est plus compliqué. Le pouvoir cherche à avoir des relations avec Jeune Afrique à cause de Jeune Afrique, et moi, on ne m'a jamais donné l'information. Je vais vous donner un exemple. Ahmed Reda Diya, qui était le conseiller de Hassan II, est un homme très important, que je voyais régulièrement. Je vous décris le personnage. Diya était un Français, je veux dire la mentalité française. Pas de salam alek, le voussoiement, pas de familiarité, le temps mesuré, il vous reçoit 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Très intelligent, très manipulateur, c'est votre papier. Ce qu'il va vous raconter, votre papier est fait, il faut être très méfiant, parce qu'il est séduisant et manipulateur. Je le vois une fois, exceptionnellement, je l'ai vu deux fois dans la semaine. C'est difficile à voir. C'est dans les années 80, 82. Et au cours de l'entretien rapide, debout, dans son petit bureau au palais, il me dit sur quoi vous allez écrire. Et je n'avais pas d'idée. Spontanément, je lui dis, c'est sur le Sahara. Le Maroc n'avait pas reconnu l'autodétermination préconisée par l'ONU. Et je lui dis, si le Maroc reconnaissait l'autodétermination, c'est l'idée qui me passait par là. Simplement par politesse pour les répondre. Il sort de derrière son bureau, il dit, vous n'allez pas faire ça. Il insiste, il devient familier, il ne prend pas les épaules. Il me dit, je ne parle pas aux journalistes, je parle aux militants. Ah, vous n'allez pas écrire ça. Oula. Ce qu'il faut écrire. À l'évidence, il y a quelque chose. Il insiste, il m'accompagne jusqu'à la porte, il insiste. Avec les mêmes mots, patriote. Vous êtes un patriote, vous n'allez pas faire ça. Naturellement, je cours. Je vais à l'hôtel, j'appelle le journal, il dit laissez-moi 4 pages. C'est parti. J'écris très vite. Et c'est le Maroc que vous connaissez. Le référendum. Au journal, ils sont sceptiques. Le patron intervient, réduit la pagination de 4, devient 2 ou je ne sais pas quoi. Il ajoute même une phrase à la fin du papier, quand on ne sait pas quoi faire, on fait n'importe quoi, on prend la distance par rapport au journal. L'article sort, diminué, mais il sort. Quelques semaines après, le Maroc reconnaît. Je vais voir bien, vous voyez, il me dit, désolé, mais je croyais que vous étiez intoxiqué par les Marocains. Regardez, comment l'information est recueillie. Par hasard, et à contrario, parce qu'on m'a dit non, c'est oui. Et dans mon propre journal, mon patron, bloque l'information parce qu'elle croit qu'elle est fausse. C'est ça l'information qu'on peut obtenir. Donc on ne vous donne pas l'information, c'est la manière de refuser l'information qui devient une information. Vous me suivez ? Je donne un autre exemple. Concernant le Polisario, Sa Majesté, Hassan II à l'époque, avait reçu le Polisario. Par rapport à Marrakech, j'ai oublié. Il l'avait reçu, très curieusement. J'ai fait le tour de tous ceux auprès de qui on peut l'année et que des pas, il y avait Ahmed Alaoui, Guillera, Ahmed Sinoussi, enfin tous ceux que je connaissais qui pouvaient être utiles. Parfois beaucoup, on peut leur arracher des détails. Or, très curieusement, blackout absolu. Rien. Ils sont polis, ils me reçoivent, etc. Mais rien. Rien. Et je tombe, par hasard, sur un flic du palais, que je connaissais de vue. Je disais bonjour quand il me voyait, il me disait bonjour.
Il est content parce qu'il fait la partie des meubles, on lui dit bonjour. Et je le rencontre dans un bar. Et je lui pose une question qui est essentielle. Je voulais savoir comment le roi a reçu le Polisario. Vous voyez l'enjeu. Si Hassan II reçoit le Polisario debout comme ça, il n'est plus roi. Il ne va pas serrer la main au Polisario qui est marocain. Polisario qui est marocain, on tend la main. Si tend la main, ils embrassent la main, il n'y a plus de Polisario. Vous voyez? Donc, la manière de chacun, la manière de recevoir est essentielle. Et c'est la question que je voulais poser. Mais j'ai aucune réponse impossible. Le flic, innocemment, s'il s'en fout, me donne la réponse. Il était debout. Il me dit ça, ils sont rentrés. Il y avait des gens du Polisario, il y avait des gens de la cour. Ils attendent. Arrive Sa Majesté, rentre. Assalam alaikum. Il s'assoit sans saluer personne. Donc, la fameuse question baise-main au chacun est réglée par Hassan II en évitant la question, évitant la situation. Et j'ai l'information. Donc on a l'information parce qu'on la cherche. J'ai trouvé auprès d'un brave policier qui me l'a raconté parce qu'il ne vaut pas l'enjeu, le policier s'en fout. C'est clair. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter pour vous laisser poser des questions et pour poser, essayer de répondre à des choses qui vous intéressent, mes chers. Je pense à une citation d'Albert Camus qui me paraît valoir pour le Maroc. Il a dit un jour, dans les années 44, « Un pays vaut ce que vous s'apprête ». Ça me paraît profondément vrai. Un pays vaut ce que vous s'apprête. Pour ne pas terminer sur une note négative, de plus en plus au Maroc, surtout dans la presse arabe, il y a des individualités. Il y a quelques titres qui essaient de faire du bon journalisme. Un quotidien ou deux. Et il y a des individualités. Il y a telle ou telle. Je regarde régulièrement la signature avant de lire. Il y a certains qui sont de très bons journalistes sérieux qui existent. Et je crois que ça doit se développer, que le développement de la démocratie, mais c'est une autre question. Je m'arrête là. Je suis à votre disposition pour développer d'autres questions. شكراً للأستاذ حبيب الرضا على هذا العرض القيم الذي عرض فيه تجارب من الواقع المغربي ومن الواقع العالمي من أجل الوقوف على مجموعة من القيم التي تلازم العمل الصحفي، وأعتقد أنه مزج بين التجربة وبين علم الصحافة، ولذلك فإن عرضه كان متميزا بهذا المعنى انطلاقا من أنه يمزج بين ما يمكن أن نعتبره نظريا وما يمكن أن نعتبره تطبيقيا أو عمليا في الممارسة الصحفية. سأقف بالعربية عند بعض النقاط التي أثارها الأستاذ بالنسبة للذين ربما لم يستطيعوا أن يتابعوا العرض بالفرنسية. في الأول عرض الأستاذ حميد برادا للعلاقة بين النضال وبين الصحافة، وتوصل إلى نتيجة من خلال تجربته أن ممارسة الصحافة في إطار النضال هو نوع من الهواية الصحفية ولا يمت إلى المهنية الصحفية بصلة. لسبب بسيط هو أن المناضل الصحفي المناضل السياسي وعندما يمارس الصحافة فإن هناك تداخلا يحصل ما بين العمل الصحفي وبين العمل السياسي، وهما أمران
بالنسبة للأستاذ حميد برادة متعارضان، لأن السياسي يغير يحاول أن يعرض موقفه ويدافع عن هذا الموقف ويصل إلى هدفه بشتى طرق، في حين أن الهم الذي يحمله الصحفي ليس هو الدفاع عن الموقف، ولكن قبل كل شيء الإخبار، أي البحث عن الخبر ونشر الخبر. وبالتالي فإن من السمات الأساسية للصحفي الناجح هو أن لا يعبر عن موقفه الشخصي تجاه مجموعة من الأحداث التي يعمل من أجل تغطيتها. أشار كذلك الأستاذ برادة إلى علاقة السلطة بالصحافة، وقال أيضا إنهما أمران متعارضان، فالسلطة تنبني على الإخفاء الأسرار عن السرية، في حين أن الصحافة تنبني على الكشف وعلى الظهور، لأنها تميط اللثام عن مجموعة من الأحداث. ولذلك فإن الصحافة والسلطة لا يمكن أن يلتقيان، ومن هنا عرض إلى مجموعة من الآراء حول علاقة بعض الصحفيين بالسلطة، منهم من يرى أن التقرب من السلطة يمكن أن يساعد الصحفي في عمله، منهم من يرى أن العكس هو الصحيح، أي أن التقرب من السلطة يمكن أن يسقط الصحفية في التعميم. أيضا تطرق إلى مسألة حرية الصحافة، وفي هذا بطبيعة الحال عرض إلى أمرين: حرية الصحافة واستغلال حرية الصحافة. وأشار إلى أن هنا في المغرب نماذج متعددة تستغل الصحافة من أجل أغراض أخرى، الشيء الذي يخرجها نهائيا من المهنية. كما سبق أن أشرت إلى ذلك، هذه القضايا وغيرها مما تطرق إليه الأستاذ حميد برادة تستعين بمجموعة من الأمثلة من الوقائع التي عرضها علينا من خلال تجربته الشخصية أو من خلال تجارب لزملائه الصحفيين، وأعتقد أن هذا هو في الحقيقة ما يمنح هذا العرض مزيدا من المصداقية ومزيدا كذلك من الواقعية والعلمية، حتى لا نحوم في الإطار النظري فقط أو في الإطار التطبيقي فقط. ومن هنا يمكن أن نقول إن هذا العرض هو في الحقيقة قصة نجاح لصحفي مغربي عايش مجموعة من الأحداث وحاول أن يقيسها ليس بعين السياسي ولكن بعين الصحفي الممارس المراقب. أرجو أن لا أكون قد حرفت ما قاله الأستاذ برادة، والآن سننطلق إلى المناقشة. كما سبق أن قلت الأستاذ برادة يعني قدم عرضه بالفرنسية، ولكن بالنسبة للطلبة وبالنسبة للأساتذة أيضا يمكن أن يتدخلوا بالعربية أو بالفرنسية، وللأستاذ برادة أن يعقب بالعربية أو بالفرنسية أيضا. إذن النقاش مفتوح للتساؤلات وللمداخلات وللملاحظات. سؤال رئيس الله طيب
Bonjour tout le monde, bonjour à M. Brada, bienvenue chez vous, Maroc, c'est votre pays, on est heureux de vous recevoir ici à notre faculté. Je veux poser une question qui est très simple un peu, mais profonde au niveau de la démocratie. Comment vous voyez vraiment concrètement la démocratie au Maroc? Est-ce qu'il y a une démocratie où on est juste, entre parenthèses, on utilise le concept de démocratie entre parenthèses pour avoir le pouvoir politique ou pour exercer le pouvoir politique ici au Maroc. Est-ce qu'il y a une démocratie au Maroc? Oui. Et merci. Je connais. Je réponds tout de suite. La démocratie n'est pas une donnée absolue. La démocratie est une situation relative. On dit très souvent, le Maroc qui envoie la démocratie, ça veut dire quoi? Il y a des choses qui sont essentiellement démocratiques. Il y a des choses qui sont essentiellement antidémocratiques. Et je vais essayer d'être concret. Pour qu'il y ait la démocratie, il faut encore qu'il y ait la stabilité et la sécurité. La sécurité est essentielle au temps de Daesh, au temps où les pays comparables au Maroc, les pays voisins du Maroc, les pays dont l'identité historique est marocaine, pays arabes, sont en proie au chaos. Ce n'est pas la crise, c'est le chaos. C'est les pays qui disparaissent. La Syrie est en train de disparaître. L'Irak est en train de disparaître ou a déjà disparu. La Libye n'a pas d'avenir prévisible. La Tunisie s'en tire, mais est fragile à cause des frontières. L'Algérie, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc, l'Égypte, Rahman, il n'y a plus d'Égypte. La grande Égypte a été chassée et la population en majorité, frères musulmans, est tuée. Et d'une manière ou d'une autre, va se révolter. Elle a une très grosse crise avec l'Arabie Saoudite qui l'a financée. Avec Trump, on ne sait pas ce que ça va devenir. Etc., etc. Toute la région est infestée de chaos. Nous vivons dans le chaos. Et il y a une exception, un territoire qui a échappé, qui s'appelle le Maroc. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas très fort. Ça peut disparaître. C'est très fragile. Mais la géographie marocaine qui nous a préservés pendant des siècles, nous sommes Maghreb Aqsa, le Far West, le pays le plus lointain, cet éloignement nous a mis à l'abri. Ça a joué pendant des siècles et ça joue aujourd'hui aussi. C'est important, c'est essentiel, nous avons la sécurité, nous avons la stabilité. Nous avons la sécurité grâce à un héritage qu'on a tendance à ignorer ou à mépriser ou à calomnier, qui est l'héritage de Hassan II. Hassan II a bien perçu qu'il y avait un problème avec l'islamisme, a bien perçu qu'il y avait un problème avec l'islam. Mais il pensait que l'islam est trop sérieux pour être confié aux islamistes. Tout le monde s'est débarrassé de ces islamistes en les envoyant en Afghanistan. Hassan II a envoyé des flics. Hassan II a envoyé des espions en Afghanistan. Et ces espions, je peux vous raconter l'histoire, j'ai même publié, ces espions ont joué un rôle essentiel. Donc on s'est préoccupé de la sécurité et on a des appareils de sécurité qui fonctionnent bien. C'est très important. C'est très important pour la démocratie.
Parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de démocratie. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de démocratie. On ne pourra pas parler de démocratie en Syrie. Donc sécurité, stabilité, essentielle. Deuxièmement, quand il y a eu ce qu'on appelait le printemps arabe, on a eu un réflexe, le pouvoir, le Maroc, les Marocains, le palais, a eu un bon réflexe, c'est-à-dire la réforme, c'est-à-dire la constitution de 2011. Ce n'est pas tombé du ciel. Nous avons une culture du multipartisme. On ne se rend pas compte. Parce qu'on croit que c'est banal. C'est pas banal du tout. On croit que la tricherie est liée au multipartisme. Parce qu'on a créé des partis de l'administration. Mais si vous regardez de près, si vous regardez comment ça fonctionne, ça fonctionne d'une manière très complexe, à la marocaine. C'est-à-dire, ça peut être très long, mais je ne vais pas développer. Hassan II, manipuler les élections, pas avec un seul parti. Il a interdit le parti unique. Il intervenait dans le champ politique qu'ils ont manipulé, mais avec plusieurs partis. Ce qui fait que les partis existaient, et pas du RNI à du C. Vous me suivez. Je racontais tout à l'heure à des amis une anecdote très révélatrice. En 1984, c'est lors de la création de l'UC, l'Union constitutionnelle. On avait créé l'UC, les premières élections avec l'UC. Je me rappelle, je couvrais pour le journal, et je voulais savoir comment on truque, comment se fait le trucage. Parce que dans la situation du Maroc, qui est unique, la manière dont les élections sont organisées sont d'une démocratisation absolue. L'inverse, c'est la Suède. C'est-à-dire, il y a les scrutateurs, il y a les urnes, il y a le dépouillement public, il y a un bureau de vote qui fait un procès verbal, il y a une signature, etc., etc. C'est-à-dire, c'est la démocratie la plus absolue, et publiquement. Du SFP, etc., tous les partis, ils ont leur vrai résultat. Un seul parti, on truc à la marge, on truc pas tout. Pourquoi c'est important? C'est important parce que le jour où il n'y a plus ce changement de ligne, ça fonctionne. C'est-à-dire, il y a des militants, des partis, des cadres, etc., qui ont appris comment fonctionne une démocratie. Et on a une culture du multipartisme. Je compare avec la Tunisie. Du jour au lendemain, ils ont le multipartisme. Ils ont créé 50 partis. Et ça fonctionne très mal, ils n'ont pas l'habitude. Ils ne savent pas ce que c'est. Nous, on sait ce que c'est que le multipartisme. On sait ce que c'est qu'un parti politique. Il est bon ou mauvais, c'est une autre affaire. Mais on sait ce que c'est. Ça, c'est un atout dont nous bénéficions. Troisième chose, la Constitution, en elle-même, est très bonne. C'est-à-dire le partage entre un élu nominé, entre le palais et le Premier ministre, est essentiel. Et on a pour la première fois un Premier ministre qui est chef du gouvernement, qui est chef d'administration, avec le droit de nommer, etc., etc. C'est pas appliqué complètement, c'est appliqué de manière compliquée, c'est appliqué avec sans faute, etc., mais ça existe. Et on peut s'y référer. On n'a plus la situation où Sa Majesté demande au Premier ministre « Tu es responsable de mon qui ?» Ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Et il n'ose pas dire devant le peuple. On a un Premier ministre, un vrai Premier ministre. Je vous fais une remarque toute bête que personne ne fait. Pour la première fois, on parle d'un bilan. Ça veut dire qu'il existe. On parlait du bilan de Jeton. On parlait du bilan de la baisse. Vous me suivez?
On a un Premier ministre qui existe. Il peut dire le roi et moi. Il pose des problèmes à cause de ça. Il y a l'entité gouvernementale est réelle et s'impose. Tout ça, c'est la Constitution. La troisième ou quatrième chose qui est essentielle et très très importante, on a des élections. Trucage ou pas trucage, epsilon. À l'échelle du pays, j'ai vérifié auprès de tous ceux qui suivent, on a des élections. Alors on est choqué parce qu'on n'a pas l'habitude. Les gens défendent des intérêts. On a l'habitude, avec l'ancien esprit, les gens défendent des convictions. Ça a changé. Les partis ne sont pas les mêmes. Le gros problème, c'est qu'il y a un parti fort, presque unique, qui est le PJD, et les autres, le Jigsaw. Mais le besoin d'un contrepoids en face du PJD se fait sentir. Ça devient le PAM, on verra ce que ça va donner. Ça devient le RENI, on verra ce que ça va donner, etc. Donc, la démocratie existe en construction, avec plein de problèmes, mais nous sommes sur la bonne voie. On a eu des élections. On a eu un gouvernement. J'arrête là, mais on peut développer. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, bien, s'il vous plaît. السلام عليكم مستر رضا السلام عليكم مرحبا شكرا جزيلا لحضور معنا في هذا اللقاء بالنسبة للسؤال ديالي هو غير مقسم شقين الشق الأول عن بالنسبة للمداخلة ديالي غادي تنقسم لقسمين الشق الأول هو بعيد نوعا ما عن المحاضرة أو عن المداخلة هو بصفتكم قد ترأستم اتحاد وطني لطلبة المغرب أو يونين كما ذكرت جريدة الاتحاد الاشتراكي في مقال قد نشر في سنة 2010 فهل تعتقد بأن هذه النقابة الطلابية التي أسست بالأساس من أجل الطلبة كصوت للطلبة لا زالت تشتغل بنفس النفس الذي أسست من أجله في الأول أو انحازت أو انزاحت كما نقول عن هدفها الأساس السؤال الثاني هو في كذلك في نفس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب Il existe encore. Est-ce que je sens pas de la liste? Oui. في نفس المقال أنك أن الفترة 2010 أو ما يضاهيها قد انتقلت من نضال من أجل الاستقلال إلى نضال من أجل الديمقراطية. هل تحقق نسبيا هذه الديمقراطية التي نضلت من أجلها فيما قبل أن تواري فقط كما ذكرت في المقال؟ شكرا. Ce qui
aussi très intéressant, qui n'est pas très connu, c'est l'histoire de lui-même. Dans les années 60, lui-même a joué un rôle très important pour des raisons qui ne sont pas connues, qui sont, j'insiste, passionnantes. C'est le seul lieu où il y avait vraiment du militantisme. Il y avait une abnégation totale. Tous ceux qui militaient au sein de l'UNED, aucun souci de carrière, aucun intérêt, disponibilité totale, des idées très claires, totalement indépendantes. Tout le monde croyait que l'UNFP, que Mehdi Mahmoud avait une influence, c'est pas vrai du tout. La réalité, grâce à un garçon comme Mohamed Halimi, comme Mohamed Haloui, il y avait des positions qui étaient propres à l'UNED, démocratiques. C'est le seul lieu, la remarque n'est pas de moi, Halimi n'est pas encore, il me l'a dit, il a parfaitement raison, c'est le seul lieu où il y avait une vraie démocratie. La démocratie n'existe pas au Maroc. Au sein des partis, il n'y avait pas d'élection, il y avait des nominations. Les jeunes torchés ont créé un comité qu'on appelait les jeunes torchés et les gens qui passaient à la direction avaient été cooptés. Il n'y avait jamais de démocratie. L'UNEM, si. Abstraction faite de la coloration politique. On pouvait, au cours de l'année, enlever un président et faire entrer deux communistes qui ont été à l'UNFP. Bref, cet esprit très particulier, qui n'était pas uniquement à l'université, l'une des choses les plus importantes qu'on avait apportées à l'époque, c'était le secondaire. On avait découvert que les vrais militants, c'est les gens du secondaire. Et ce n'est pas par hasard, c'est eux qui vont faire les émeutes de 1965, 23 mars. Ce n'est pas par hasard qu'il y a une série de personnages, un jour on a mis fin à leur histoire, qui ont été exécutés, condamnés à mort et exécutés, comme Darkoum Barahmou, comme Jdeni, comme Boutelka qui a survécu, qui existe toujours, et milite à l'UER. Toutes ces générations de militants, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, beaucoup de lucidité, beaucoup de culture, on lisait tous les livres qui sortaient. On était passionnés par ce qui se passe en Irak. Je me rappelle d'une discussion en Amérique avec Romain Bougenot sur l'Irak. Romain trouvait la répression convenable et ça nous choquait, etc. Cette UNEMA a disparu avec le gauchisme. Le gauchisme a fait beaucoup de mal à l'UNEMA. Parce que la première période, celle que j'évoque, on faisait une très grande attention aux intérêts des étudiants, la bourse, le logement, etc. Et à partir de la scolarisation, la qualité de l'enseignement, etc., etc., on s'occupait des problèmes des étudiants. À partir de là, on passait aux problèmes politiques généraux, parce que les problèmes des étudiants ne pouvaient les résoudre que dans un cadre général. Mais il y avait l'attention de ne pas se couper des étudiants. Les gauchistes ont fait exactement le contraire. Pour eux, c'est la révolution, et il y avait une minorité qui était suivie pour faire la révolution, et la majorité était à l'abandon. Ça donnait un fiasco, ça donnait la répression, ça donnait la disparition de lui-même. Après, c'est revenu, j'ai pas suivi. Je ne sais pas si c'est passé quelque chose de particulier. J'en ai entendu parler lorsqu'il y a eu des incidents entre Qaïdiyin, Islamiyin, des choses comme ça. Mais je n'ai pas d'informations précises sur l'UNED. Et j'ai peur qu'on n'est pas prêt de restaurer l'UNED. La démocratie, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Je vais faire quelques remarques sur les partis. Les partis ont changé. Et on ne se rend pas compte. La scolarisation a donné des résultats. Les Marocains ont été à l'école. Et donc, avant, un dirigeant d'un parti politique, les élites
était une minorité. Une minorité sélective, très recherchée, très rare. Que les personnages comme Abdelrahim Bouabid, comme Ahmed Mousfi, comme Mehdi, comme Bousta, tu avais des élites. Très minoritaires, j'ose utiliser le mot privilégié. C'est les rares qui avaient fait l'école, et qui avaient fait l'université, et qui avaient percé. Aujourd'hui, vous avez des dizaines, des centaines de gens qui ont été à l'école, qui ont été à l'université. Et vous avez une popularisation, je vais employer le mot, mais il n'est pas péjoratif, une vulgarisation des élites. Les élites sont beaucoup plus nombreuses. Et vous allez remarquer quelque chose qui est nouveau, elles sont très populistes. Ce n'est pas par hasard. Ils se ressemblent d'ailleurs. Vous avez de plus en plus ceux qui font la politique, la font avec des méthodes nouvelles. J'ose employer le mot, mais ce n'est pas une insulte, c'est une observation. C'est des méthodes parfois de voyous. Regardez un Shabbat. Regardez un Shkut. J'avais fait l'interview de Shabbat, je lui ai dit il y aura des Shabbats partout. Mais oui, certainement. Et le Shkut l'a considéré comme une insulte. À l'évidence, le Shkut ressemble à Shabbat. Elias, Romari. La même race. Le même profil. Vous voyez, les élites sont d'une extraction nouvelle. Je ne sais pas si vous me suivez. On n'avait pas des élites comme ça avant. Et c'est grâce à l'école, grâce à la généralisation de l'enseignement, ou du moins l'extension de l'enseignement, et grâce à une plus grande surface extension de la politique. La deuxième chose, c'est la manière de faire la politique. Avant, on défendait des idées, la démocratie, etc. Maintenant, on défend des intérêts. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission avec Mohamed Tosi, elle est très, très instructive. J'ai fait une émission avec Mohamed Tosi sur les élections. Il observe, par exemple, la campagne est plus politisée que la ville, je ne savais pas. Il y a moins d'argent à la campagne qu'à la ville, pour les élections. Parce que la campagne, ils ont des raisons de faire les élections. Ils ont des projets à défendre. Une route, un pont, une école, etc. Et Tosi, même en étudie cette phrase, il dit il n'y a pas de raison de voter en ville. Il y a toutes les raisons de voter dans les campagnes. Donc il y a une transformation du Maroc et les partis n'ont pas encore suivi. C'est pour ça qu'il y a un seul parti qui fonctionne bien, le PJD. Les autres fonctionnent des partis saisonniers. C'est quand il y a les élections qui fonctionnent. Ils distribuent de l'argent, ils distribuent des tracts, etc. Mais entre deux élections, on n'entend pas parler beaucoup d'eux. Alors que le PJD est présent en permanence, en faisant du social, etc. Donc, ce qui est en train de changer, c'est la pratique a changé, mais, comme ça arrive souvent, les structures n'ont pas changé. Je ne sais pas si je suis clair. Très fort, s'il te plaît. Salam alaikum. Shukr Mansour, Sada Hamid Barada, ala wada'ihi. تركيزي على بعض النقاط في هذه المحاضرة وهي جد مركزة وفي نفس الوقت فهي مهمة. كما نعلم بأنه لا يمكن الحديث عن إعلام ديمقراطي في ظل وجود واقع سياسي خفي وظاهر.
كما نعلم بأنه لا زال هناك واقع سياسي كما تحدث عنه جون واتر كوري أيضا كما تحدث عنه ريمي روفو أيضا نجد بأن السلطة موجودة في الحديث كان حول العلاقة بين الديمقراطية والسلطة نجد بأن السلطة لا زالت كما تحدث عن عبد الرحمن كما تحدث عن الشيخ المريد عبد الله حمودي فهل هناك واقع سياسي من أجل الحصول على إعلام جاد ومسؤول هل هناك أيضا إعلام مسؤول لكي يحتذى به الصحفي المبتدع إعلام ومسؤول في المغرب إعلام جاد ومسؤول شكرا fausse, approximative, tu perds un temps fou à essayer de distinguer le bon grain de l'ivraie. L'amoncellement des journaux ne fait pas progresser l'information. C'est le contraire. Et d'ailleurs, je lis un seul journal, ou deux, je regarde les titres, les autres, je regarde les titres sur Internet. Et je lis rarement dans le signal d'un article important. Je peux vous dire le nom du journal. Je lis Folio. Parce que je sais qu'il est proche du PJD. C'est presque un journal officiel. Il est très proche du PJD. Mais, de manière professionnelle, les articles de Tofir Kouaché sont bien faits professionnellement. Ils n'intoxiquent pas. Ils défendent des idées. Parfois, il publie des choses contradictoires par rapport à ce qu'il pense lui, mais enfin, ça reste un journal proche du PJD, on sait ce que pense le PJD. En lisant Boachin et Ravaglio, je sais à peu près ce que pense le Kéré. J'achète, je l'ai acheté 3 ou 4 fois que j'ai arrêté, après ça, qui est le journal de l'Elias. Il n'y a rien. Il est très bien fait, il y a des insultes de temps en temps. Il est très bien fait sur le plan technique, la maquette, il y a visiblement de l'argent. Il est très bien fait sur le plan professionnel. Mais le contenu, rien. Vous me suivez. Les individualités. Abdelhak Bleschkol, Barak Maliou, est un vrai journaliste. Les articles sont des articles. Il y a de l'info, elle est vérifiée. Il n'écrit pas n'importe quoi, etc. Vous avez l'équivalent, Younes Tafrir, Al-Hadad, qui est un vrai journaliste. Très méticuleux, presque documentaliste. C'est tout, à peu près. Il y a d'autres noms qui sont très célèbres, il vaut mieux ne pas les lire. Mini, je préfère ne pas le lire. J'ai lu une fois ou deux, j'arrête. Ce n'est pas du journalisme. Il est en train de régler des comptes et d'insulter. Il insulte les gens, je ne sais pas qui. Si vous regardez de plus près, tel quel, c'était un bon journal à un moment donné. Là, visiblement, ils ont peur de perdre la publicité. Ils sont très prudents
à l'égard du pouvoir. Ils ne savaient pas comment traiter. Et leur souci, c'est la publicité. C'est très bien fait sur le plan technique, mais sur le plan du contenu. Quand on a lu la presse arabe, on sait beaucoup plus que ce qu'ils vont écrire. Il y a plein de titres en français qui n'ont aucun intérêt. D'où ça vient? À mon avis, le pouvoir n'encourage pas. Que le pouvoir, comme tout pouvoir, n'a pas envie que la presse existe. Ils ont fait l'économie. Et sur Internet, visiblement, il y a plein de sites qui sont inspirés par le pouvoir. On les retrouve facilement. La presse, les gens ne lisent pas non plus. Tel quel, vendait 40, 50 000. Ils vendent 10 000. Ahmad Lyon pouvait vendre 100, ils vendent pas 20 000. Celui qui vend le plus, c'est le Rabat ou l'Akhbar, c'est le journal de Mini. Celui qui vend le plus. C'est très difficile, la presse, pour une autre raison. Il y a Internet. Je ne vous ai pas parlé d'Internet, mais Internet, c'est une merveille. C'est une catastrophe. C'est une merveille quand on cherche quelque chose de précis. J'ai oublié un nom, je prends Wikileaks en deux secondes, et j'ai le nom. Quand vous cherchez une information, vous la trouvez, mais parce que vous la cherchez. Si vous prenez Internet de manière vierge, sans rien dans la tête, c'est effrayant ce que vous allez attraper. Vous allez attraper toutes les maladies. Vous allez trouver un complot. Trump a été élu par le Mossad. Le Mossad joue un rôle très important. Daesh, le Mossad, c'est évident. Etc. C'est bourré de n'importe quoi. Et parfois d'intox, c'est-à-dire quand c'est délibéré. Je plains les gens qui ne lisent qu'Internet. Parce que ils ne peuvent pas comprendre, c'est impossible. Quelle est la différence entre une information fausse? Moi, je prends Internet tous les jours, je regarde. Oushika est mort. Ils l'ont tué il y a 4 jours, il est mort encore hier soir. Moi, je suis informé, j'ai mon âge, j'ai mon expérience, je peux faire la part des choses. Mettez-vous à la place de l'homme moyen, normal, jeune, qui est né d'Internet. Comment il va faire la différence? Comment il va comprendre Daesh quand on lui dit que c'est mon seul? Il va rien comprendre. Etc. Donc, je ne suis pas optimiste, je ne crois pas. Il n'y a pas besoin de journaux. Les journaux sont nécessaires, sont essentiels, mais ils vont pas naître naturellement. Ils ne peuvent ni naître par volonté. Et je ne vois pas d'où peut venir la volonté. C'est une désespérance que je vous dis, mais c'est la réalité. Moi, je m'informe en lisant de manière sélective les grands journaux dans le monde. J'ai besoin de lire des économistes parce qu'il y a de très bonnes informations, parfaitement vérifiées tous les jours. Non signé. L'économiste n'est jamais signé. Et chaque phrase est vérifiée par 3, 4, 5 journalistes spécialisés. Ce qu'ils publient, c'est de l'or. On peut ne pas être d'accord parce qu'ils sont de droite, mais c'est vrai. Ou un journal comme New Yorker. Il donne 6 mois à un très bon journaliste une très bonne question, il la traite pendant 6 mois et publie un article après. Et vous avez des articles excellents sur tous les grands sujets. Je n'ai pas lu depuis longtemps, je vais le chercher avec impatience pour lire ce qu'ils vont écrire sur Trump. On va apprendre des choses vraies sur Trump.
Voilà. Ah, ça marche. Mais Khalid parle très fort, parce que je n'entends rien d'ici. Salam alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. السؤال ديالي غادي ينطلق من العنوان ديال المنظومه الصحافه والديمقراطيه. كون يعني بناء وانطلاقا من كون يعني حريه الصحافه يعد من بين المؤشرات الاساسيه لقياس مدى ديمقراطيه في اي دوله. يعني اتساءل مع الاستاذ حسن برادو يعني بحكم الخبره ديالي في المجال التي خبرها في المجال الصحفي، أين وصل هذا المؤشر في المغرب؟ مؤشر حرية الصحافة. ما هي حرية الصحافة في المغرب؟ إلى أين وصلت؟ كيل لي با دو ليبرتي دو بريس و مغرب. سي بون كيستيون. أون كوا كيل با دو ليبرتي سي بلو كومبليكي. Il y a des journalistes qui ont été condamnés à de la prison. C'était parfaitement légitime. Je ne défends pas la prison pour les journalistes, mais il y avait des calomnies à l'égard de juges, il y avait plein de choses faites exprès. Bien. Très souvent, on considère que tel chercheur a des problèmes avec la justice, etc. Quand on regarde de près, c'est pas sûr. Il y a de la provocation. On peut travailler de manière libre. Je connais plein de confrères qui sont sérieux, qui travaillent de manière libre. Il y a des tabous. Par exemple, Sa Majesté. Quand vous voyez les selfies sur Internet, vous les voyez. Ils sont très nombreux, ils sont même organisés. C'est très audacieux. Ça suppose qu'il y a un besoin de communiquer. Le roi n'a jamais donné d'interview. Pratiquement. Il y a eu des interviews qui ont été signées, mais on a pratiquement déjà donné une interview. Parce qu'il ne veut pas faire ça, peut-être parce qu'à Hassan II, pardon. Oui. Je m'en souviens du compte, c'est ça. N'a jamais donné d'interview. Il fait des discours où il dit beaucoup de choses. Il est arrivé une fois que le discours était à la une du monde, c'est devenu un événement au Maroc. Ils ont été surpris. Effectivement, journalistiquement, c'est curieux. Et les Français sont très marqués par l'islam et ont des problèmes avec l'islam en ce moment. Comme il a dit des phrases qui leur conviennent, qui leur plaisent, ils l'ont monté en épingle. Quand j'ai commencé l'émission il y a 8 ans, un journaliste m'avait posé la question, il m'avait téléphoné, il m'avait posé la question. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire des lignes rouges? Je lui ai dit, je suis prêt à te répondre à une condition, que tu me lises avant ce que tu vas écrire. Parce que je sais qu'il t'attend. Et j'ai dit la phrase suivante, je m'en fous complètement. Je n'ai jamais pensé à la ligne rouge. Et je n'y penserai jamais. Toute ma carrière à Jeune Afrique, 20 ans, 30 ans, 40 ans, je m'en fous complètement. Je n'ai jamais pensé à la ligne rouge. Je ne publierai jamais quelque chose qui peut trouver l'ordre public. Il m'est arrivé de saisir, interdit pendant des années, des mois, etc. J'accepte ces règles du jeu. Pouvant n'est pas d'accord, il interdit. Mais que de moi-même, je n'écris pas quelque chose qui me paraît vrai, j'exclus.
Mais je ne ferai pas de convocation non plus. Je n'écrirai pas quelque chose, je sais que ça va me faire mal. Et tu lirais des périphrases. Et le psy me disait toujours, c'est très marrant ce qu'il m'a dit un jour, il m'a dit j'aime bien tes articles, sauf une phrase. Et une phrase qui passe pas. Et qui saisissait. Et je lui ai expliqué, lui, c'est ça le journaliste, c'est cette phrase que tu n'aimes pas. J'ai jamais eu le moindre problème. J'en suis à une centaine d'émissions. C'est très intéressant de voir les gens qui sont passés. De tous lieux, de toutes sortes. On a censuré une fois. D'ailleurs, c'est en direct, c'est les conditions du direct, il n'y a pas de montage. Il y a eu un montage, une fois, avec un artiste, il a commencé à pleurer. Il a eu un problème avec Hassan II, il m'en a parlé la veille, ça passe mal, on n'en parlera pas beaucoup. Dès qu'on l'a évoqué, il a commencé à pleurer, Keshar, il a commencé à pleurer, avec force. On est obligé d'arrêter l'émission. Mais quelque chose qui gêne le pouvoir, etc. Parfois ils l'ont craint, les gens du pouvoir l'ont craint, est-ce que ça va passer, ça ne va pas passer. J'ai jamais eu le problème. C'est bien nous. Ça vient du fait que lorsqu'on connaît un peu le pays, on sait où on met les pieds, il y a une marge. Mais la marge est parfois étroite, c'est vrai. J'essaie de chercher des faits où il y a eu de la répression, réelle et vraie. Pas des choses qu'on raconte, on raconte plein de choses qui sont fausses. Comme le type boxeur qui en France fait un scandale, il était dans une émission de télévision, j'ai oublié son nom. Bon, à l'évidence, c'est un voyou. Et c'est pas du tout une victime. C'est un malin qui a utilisé la presse française. Je ne sais pas si j'ai répondu de manière convaincante. نشكر الأستاذ بالرضا على تقديم هذه المحاضرة القيمة. سؤالي يتمحور حول كيف يمكن للصحفي أن يكون محايدا في مقالاته، كما أنه بما أننا نعرف أن الصحافة هي السلطة الرابعة، كيف يمكن لهذا الصحفي أن يمارس هذه السلطة خاصة داخل المغرب؟ وشكرا. داخل. Sur la question, est-ce que le journaliste peut être neutre ? Le journaliste, il faut nuancer. Il y a deux choses différentes. Il y a l'information, ce qui s'est passé. On n'est pas neutre, on est engagé avec la vérité. Mais on est neutre, on ne donne pas son avis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Par exemple, il y a une négociation entre Belkéren et Akhandouche. Ils se sont rencontrés. Moi, journaliste, je vais raconter en détail ce qui s'est passé entre les deux. Je ne vais pas donner mon avis. Je vais vérifier qu'Akhandouche a vraiment dit ceci, 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 parce que j'ai pu écouter Akhandouche ou écouter une source proche d'Akhandouche. J'ai écouté aussi Belkéren, une source proche de Belkéren, et je raconte ce qui s'est passé de manière précise. Je ne suis pas neutre, ou je suis complètement neutre. Je raconte ce qui s'est passé. Je n'ai pas d'opinion. Donc je suis neutre. Je suis engagé avec la vérité. Est-ce que c'est clair ? Je raconte les faits. Et les faits sont objectifs. Mon opinion n'a aucun intérêt. Mon boulot consiste à vérifier.
à être sûr, à ne pas prendre position pour Bulkélan ou contre Bulkélan. Je raconte exactement ce qu'a dit Bulkélan. Cela dit, après, par ailleurs, à côté, je donne mon opinion. Je dis qu'Akhanou, je n'ai pas le droit de faire ce qu'il a fait. Je dis que Bulkélan a tort de prendre la position qu'il a prise. Là, j'ai une opinion. Et je défends une opinion en montrant la couleur. C'est une opinion. Ce n'est pas une information. Les bons journaux font toujours la différence entre opinion et information. Vous suivez. Et l'opinion est parfaitement libre. Je peux même m'engager. Je peux même être violent. Je peux dire c'est scandaleux. Je peux dire que je n'ai pas le droit, etc. etc. Ou Bulkélan est devenu fou, etc., etc. Je peux donner une opinion. Mais c'est une opinion, ce n'est pas une information. Et on fait la différence de manière très stricte entre les deux. C'est pour ça que Billet Économiste ne signe pas les papiers. Les papiers ne sont pas signés, on ne sait pas qui les a écrits. Parce que quand on signe, on s'engage. Et la subjectivité. Vous me suivez bien. Le professionnalisme est très clair. L'opinion est une chose, l'information est une autre. Quelle est la deuxième question? Quelle est la deuxième question? Ah oui. Très bien. C'est pas sérieux, d'accord. C'est très courant. C'est un quatrième pouvoir, d'abord quand il y a un premier pouvoir, un deuxième pouvoir, c'est un pré-parlement. Il y a un quatrième pouvoir. Oui, c'est vrai. Mais dans les pays occidentaux, les vieux pays occidentaux, la presse est très puissante. Mais parfois, elle se ramasse. L'Amérique. Toute la presse contre Trump. Toute. Ils l'ont fait élire. Le peuple l'a voté contre. Contre toute la presse. Les meilleurs, New York Times, Newsweek. Newsweek a fait la couverture. A fait la couverture sur Hillary. Ils l'ont enlevé à la dernière minute. Ils ont perdu 100 000 exemplaires. Toute la presse, tout le pays, organisé, etc., était pour Hillary. Elle a ramassé une veste. En France, il y a un phénomène passionnant en France. C'est très très intéressant. Il y a un très gros livre, 1600 pages, je suis en train de le lire, écrit par, alors là, pour la connivence, c'est le président de la République, François Hollande, qui rencontre deux journalistes, Davé et Lhomme, deux journalistes du Monde. Ils ont rencontré 61 fois, depuis 4 ans, ou 5 ans, depuis le début du quinquennat. Ils rencontrent une fois par mois. Ils balancent tout. Ils racontent tout. Ils analysent tout, comme un journaliste. C'est un scandale en France. Ils ont pris 3 ou 4 phrases. C'est très intéressant. 3 ou 4 phrases sorties de leur contexte. Il faut lui reprocher. Et le livre, quand on le lit, est passionnant. C'est un chef-d'œuvre. Voir comment un pays fonctionne, c'est excellent, excellent, excellent tout le temps. Hollande est très bon. Les journalistes font bien leur boulot. Ils ne lâchent rien. Ils l'emmerdent tout le temps pour qu'ils lâchent le maximum. Et là, on a un gros livre. Il l'a fait probablement pour les élections. Et très probablement à cause du livre, il ne pourra pas se présenter. Et ça devient passionnant. Et le livre, lisez-le. Un président ne devrait pas lire. Le titre, un président ne devrait pas dire ça. Vous l'avez sur Internet, ça ne coûte pas très cher. 1600 pages. Mais c'est passionnant. Si vous avez envie de voir comment fonctionne un pays comme la France, c'est un très bon livre. Toute la presse est contre. Le quatrième pouvoir, tous ils sont contre. Et de mauvaise foi,
Il reproche au président d'avoir reçu des journalistes. Alors qu'ils passent leur temps à demander un rendez-vous avec le président. Ils les a tous reçus d'ailleurs, ils passent son temps à leur envoyer des SMS. C'est très intéressant. آخر سؤال لأن الأستاذ مرتبط بموعد ديال القطار لأنه سيعود إلى الدار البيضاء عشية ذاك اليوم ولذلك فإن السؤال سيكون يكون آخر تفضل دكور إذا أنون أمين فضلك on va prendre deux questions encore Bonsoir, Monsieur Brada. On est vraiment heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. On a vu aujourd'hui comment les médias ou le journalisme américain jouaient un rôle très important en supportant la guerre de l'Irak pendant la présente presidency of Bush. Et aujourd'hui, ça a créé l'image de Donald Trump. Et ça choquait le monde quand Donald Trump a gagné la présidentielle des États-Unis. Alors pourquoi dans un pays qu'on assume démocrate, on trouve ce genre de journaliste qui est un peu manipulatif? Et comment, quand un pays en voie de développement, on peut éviter ce genre de journalisme? Merci. Merci. Jamais Saddam n'a eu des armes de destruction massive. C'est de l'intox. C'est de la manipulation. Et les meilleurs journalistes américains, par exemple, Paul Bourgeois, c'est celui des deux journalistes qui avaient fait le Watergate, qui avaient fait tomber Nixon. Paul Bourgeois, qui est un immense journaliste, très sérieux, travaillant beaucoup, etc., il y a cru. A cru qu'il y avait des armes de destruction massive. Judith Miller, très bonne journaliste, y a cru. Ils ont fait des papiers dans ce sens. Or, tout est faux. Tout le temps. Ils sont de bonne foi. C'est bizarre. Ils sont ni achetés, ni corrompus, surtout au dos. Ils sont trompés. Dans les pays du tiers-monde, il n'y a pas beaucoup de journalistes, c'est rare. Il y a des essais. Et là, il y a un autre exemple, celui que j'ai cité tout à l'heure, l'élection de Trump. Ils sont tous trompés. Non seulement ils sont trompés, mais c'est eux qui l'ont fait élire. Parce que ils lui ont servi ce qu'ils avaient envie qu'on lui serve, qu'ils soient contre le système. Comme le système, c'est eux, le peuple a voté pour lui. Il était anti-système. C'est ça ce qui s'est passé. Ok. Assalamu alaikum. مبدئيا بروفيسور بلادا مرحبا بنا في هرمكم الأنيق والعميق معني السؤال إذا انطلقنا من التعريف المبسط للأستاذ محمد السرعيني للديمقراطية باعتبارها الحرية والمساواة والإيمان
التعدديه والانفتاح وموازات مع الحريه في تعريفها البسيط بانها الحر وموازات مع تعريف مبسط للصحافه باعتبارها الحريه علما ان هناك خيط رفيع بين الحريه والفوضى كما سبق بين الحريه والفوضى. سؤالك الاتي: كيف يساهم الصحافي في بناء المشروع الديمقراطي؟ ثانيا: من خلال تجربتكم كيف تساهم الديمقراطية أو على الأقل ما هو الكوكتيل أو الخلطة الواقعية في تكوين أو بناء شهادة بناء الصحفيين؟ وشكرا. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire que le Maroc
on croit que c'est très bien organisé, c'est pas très bien organisé. C'est organique. Et là, sur le plan journalistique, c'est du très bon boulot. Si j'avais un journal au Maroc, j'écrirais un papier sur ça. J'enquêterais que ce soit ce jour-là. Voilà. Ben, j'espère que j'étais ravi de vous entendre et de vous voir m'écouter sans vous ennuyer, sans dormir. Et merci pour votre attention. J'espère qu'on se reverra un jour. هو نحن شاكرين في الحقيقة للأستاذ حميد برادة على تجشمه أثناء السفر وحضوره معنا إلى هذه المؤسسة لكي يمنح لطفا من تجربته الصحفية ستفيد طلبتنا بدون شك. أكرر الشكر للأستاذ حميد ونتمنى له صحة وعافية وطول عمر من أجل أن يستمر في إفادة الأجيال القادمة. كما أشكر إدارة الكلية في شخص العميد التي ساعدتنا ووضعت بين أيدينا كل الإمكانيات لعقد هذه الجلسة المفيدة. ونضرب لكم موعدا مع ضيف آخر وتجربة أخرى وشكرا للجميع.